par la gloire. Cette année 2016 marque les 200 ans de présence et d'évangélisation dans la religion protestante en Haïti. Les philosophes pensent que Dieu est éloigné. Nous pensons que Dieu a mis à part ce jour, déjà dans le Kairos, et pour le faire sortir dans le Konos, afin de célébrer le bicentenaire du protestantisme haïtien et aussi de décerner des parchemins, des diplômes aux vaillants soldats du protestantisme haïtien. À la gloire de Dieu, en l'honneur de cette grande assemblée, nous allons débuter la cérémonie de ce soir en chantant ensemble le numéro 2. Quand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Thank you.
200 ans du protestantisme en Haïti. Et nous voulons dire merci à ceux-là qui ont su combattre pour que l'évangile soit prêché à travers tout Haïti. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, des hommes et des femmes de Dieu qui continuent à se battre pour que l'évangile soit prêché à travers tout le pays. Et non seulement ils se battent à travers Haïti, mais ils traversent les océans pour prêcher l'évangile, ici et ailleurs. Nous disons merci à Dieu. Et ce soir, il y a des gens qui travaillent dans le domaine et qui vont recevoir le parchemin. Nous demandons à Dieu de les garder, de les protéger, afin que toujours ils arrivent à se battre pour que l'évangile soit réellement prêché. Sud, précisément dans la ville de Kai, par un missionnaire français, Étienne de Grelais. L'évangile a été adressé à l'élite de cette ville pour ensuite à Port-au-Prince présenté à la garde présidentielle de Pétion. Finalement, le premier message qui a beaucoup bouleversé la ville de Port-au-Prince a été prêché par ce vibrant prédicateur Étienne de Grelais dans la cathédrale de Port-au-Prince. C'est un grand héritage. Honneur et gloire aux Seigneurs.
Au son clair et touchant, les anges, et dire leurs accents. Le ciel devait les vides, le soleil s'obscurcit sur un monde perfide, disons les cendres nuits. Thank you.
service complet. Et vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Et à présent, le docteur Charles Romain Boissy. Les prestigieuses cartes de visite et le cheminement socio-professionnel et ministériel des très honorables docteur Jean-Baptiste et Eliane Thomas, Eden Magofi, Emmanuel Toussaint, Dorothy Toussaint, Guillaume Faure, Guy Florival, Jean Chavanne Jeune, Jean Sauveur Jean-Baptiste, Verdieu et Marie-Rose Laroche, Ramino Olivier, Solini Véduine, Thomas Saint-Louis, Whitney Pierre, évêque Philius Nicolas, évêque Sem Célestin, Hans Avi, Serge Robert, Estelle Dubuisson, Daniel Ulysse, Gédéus Fortuné, considérant leur trajectoire étincelante et lumineuse, ainsi que leur grande classe et leur renommée en Haïti et à l'étranger. Considérant leur remarquable et grandiose contribution à l'éducation, au progrès humain, à l'essor de leur pays natal et de leur pays d'accueil, à la diffusion de la Bible et à l'expansion de l'Église chrétienne, décidons, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, de leur octroyer le grade de docteur honoris causa en humanité ou en philosophie. À Port-au-Prince, Haïti, ce jour-ci, 10 octobre 2016, en 212e de l'indépendance, pour servir et valoir ce que de droit. Par Dr Charles Brasset Romain, président, Dr Jean Chavanne Jeune, vice-président, Dr Jean-Pierre Rodrigue Mathieu, vice-président, Dr André Calix, rapporteur général, Dr Whitney Pierre, membre, Dr Emmanuel Toussaint, membre. UUPH, décision d'octroi. Nous, président, vice-président et membres de la conférence des recteurs et des présidents de l'Union des universités privées d'Haïti, vu la charte haïtienne amendée de 1987, vu les lois de la République d'Haïti et les règlements régissant la matière, vu l'acte constitutif et la convention portant création de l'UUPH, considérant les brillants palmarès académiques, les prestigieuses cartes de visite et le cheminement socio-professionnel et ministériel des très honorables docteurs Ricardi Denis, Monesti Fanfil, William Pierre-Louis, Emma Achille, Luc Pierre, Grégory Toussaint, Osner Jean-Louis. Considérant leur trajectoire étincelante et lumineuse, ainsi que leur grande classe et leur renommée en Haïti et à l'étranger, considérant leur remarquable et grandiose contribution à l'éducation, au progrès humain, à l'essor de leur pays d'accueil, à la diffusion de la Bible et à l'expansion de l'Église chrétienne, décidons, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, de leur octroyer le grade de docteur honoris causa en théologie. Donnez de nous à Port-au-Prince, Haïti, ce jour-ci, 10 octobre 2016, en 212e de l'indépendance, pour servir et valoir ce que de droit. Par Dr Charles Poisset, Romain, président, Dr Jean Chavanne Jeune, vice-président, Dr Jean-Pierre Rodrigue Mathieu, vice-président, Dr André Calic, rapporteur général,
Dr Whitney Pierre, membre. Dr Emmanuel Toussaint, membre. Union des universités privées d'Haïti, UUPH. Décision d'octroi. Nous, présidents, vice-présidents et membres de la conférence des recteurs et présidents de l'Union des universités privées d'Haïti, vu la charte haïtienne amendée de 1987, vu les lois de la République d'Haïti et les règlements régissant la matière, vu l'acte constitutif et la convention portant création de l'UUPH, considérant les brillants palmarès académiques, les prestigieuses cartes de visite et le cheminement socio-professionnel. Docteur Franz Jean-Baptiste, évêque Apollinaire Barolo, André Calixte, Jacob Prévillus, Apollon Ménard, Schiller Saint-Victor, Émile Saint-Hilaire, Kochner Firmin, Samuel Nicolas, Samuel Pierre, Mona Préville, Ulysse, Jean-Pierre Oudin Mathieu, Suze Firmin, Yvois Pierre, Emmanuel et Marlène Sanon. Considérant leur trajectoire étincelante et lumineuse, ainsi que leur grande classe et leur renommée en Haïti et à l'étranger, considérant leur remarquable et grandiose contribution à l'éducation, à la littérature, au progrès humain, à l'essor de leur pays natal et de leur pays d'accueil, à la diffusion de la Bible et à l'expansion de l'Église chrétienne et au progrès humain, décidons, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, de leur octroyer le grade de docteur honoris causa ex lettres en philosophie, ex science de l'éducation. Donné de nous à Port-au-Prince, Haïti, ce jour-là, 10 octobre 2016, en 212e de l'indépendance, pour servir de valoir ce que le roi, par Dr Charles Poisset-Romain, président, Dr Jean Chavanne, jeune vice-président, Dr Jean-Pierre Audric Mathieu, vice-président, Dr André Calixte, rapporteur général, Dr Whitney Pierre, membre, Docteur Emmanuel Toussaint, membre. Mesdames, Messieurs, le doctorat honoris causa dans l'Union des universités privées d'Haïti va avoir l'honneur d'octroyer aux récipiendaires réunis illustre la rondeur et la détermination dont ils ont fait montre toujours dans leurs multiples attributions, reste et demeure la plus prestigieuse distinction. D'obédience universitaire, le doctorat honoris causa s'impose et impose le respect à l'égard de ses détenteurs. À vous autres, qui en aurez été d'heureux bénéficiaires toute votre vie, nous vous disons, du haut de cette colline, des siècles vous contemplent. Philius Nicolas, pour votre brillant palmarès académique, votre carte de visite socio-professionnelle, prestigieuse et enviable, en témoignage de votre exceptionnelle contribution au progrès humain et à l'expansion des pouvoirs qui nous sont conférés, nous avons l'honneur de vous octroyer le grade de docteur honoris causa en humanité. Le docteur Eliane Thomas, pour votre brillant palmarès académique, votre carte de visite socio-professionnelle prestigieuse et enviable, en témoignage de votre exceptionnelle contribution au progrès humain et à l'expansion de l'Église chrétienne,
en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai l'honneur de vous octroyer le grade de docteur honoris causa en humanité. Honorable Hans Havink. Sam Célestin. Confirmons les honorables. Est honorable, Saint-Christin, pour votre grande classe de citoyens, votre brillance et votre carte de visite sur ce professionnel prestigieux et enviable, et un témoignage de votre contribution exceptionnelle au progrès humain et à l'expansion de l'Église chrétienne. J'ai l'honneur, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, de vous faire, de vous octroyer le grade de docteur honoris causa en philosophie. Galons, mon Dieu,
Rousseau, mon Dieu. Rousseau, mon Dieu. Regardons-nous et c'est